Bonjour tout le monde. Je vais attendre que les premiers soient connectés. J'ai mis un petit peu en avance parce qu'il y a toujours le stress de départ, de rater la mise en place, la connexion. Alors, je vois une première personne connectée. Deux. Salut. J'attends de voir qui c'est. Salut Sarah, toujours là. Salut Nadia, oui moi aussi j'ai hâte. J'ai besoin de me défouler ce matin, donc je suis très contente. Salut Amandine, bravo, tu lâches rien. Salut Marine. Erika, bonjour. Alors, il ne fait pas très beau. J'espère que la séance sportive va égayer un peu la journée. Il va faire du bien à tout le monde. Donc, j'ai des petits travaux dehors. Si vous entendez du bruit, ne vous affolez pas. C'est une scie. Allez, préparez votre tapis, votre bouteille d'eau, votre bonne humeur, votre énergie. Allez, faites-moi des petits coucous. Je vois que le nombre de participants augmente. Dites-moi qui est là, que je puisse vous dire bonjour. Salut Nathalie! Hey, coucou Maubeuge! Alors aujourd'hui, c'est une spéciale dédicace pour ma copine Bali de Maubeuge. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on ne s'est pas vu. Je ne sais pas, 10, 15, 15 ans. Salut Annie. Laurence, bonjour. Sabrina, c'est bien, il y a toujours les mêmes. Il y a un petit groupe là, hyper dynamique, hyper régulier, c'est super. Salut Fanchon! Annabelle, Fanny, bonjour! Bonjour tout le monde! Allez, préparez-vous. J'attends encore une minute. Ouais, deux, il est 30. Il est 30. Salut Marianne, Lydie, coucou, je suis contente de voir vos prénoms, ça fait plaisir. Alors, quelques informations sur la musique. Vous savez que sur le site Amu, on n'a pas le droit de mettre de la musique qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, on est obligé de choisir des musiques libres de droit. Et donc, du coup, c'est pas super. Enfin, en tout cas, c'est pas les musiques que j'aurais choisies pour un cours normal. Donc, on fait avec. Et voilà, soyez indulgents avec les musiques, s'il vous plaît. Essayez de trouver des musiques un peu dynamiques, mais voilà. Salut Julia, salut Véro, Nadia, coucou, trop contente. Bonjour Coralie, salut Laura. Allez, pensez à prendre une petite bouteille d'eau, un tapis, on en aura besoin, mais il y aura beaucoup d'exercices debout. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire du pilates avec moi, ça n'a rien à voir. Hein, c'est une séance où il y a un peu plus de cardio. Et puis, c'est pas pareil du tout, même si on fera des abdominaux. Et puis, dans tous les cas, il faudra faire attention aux consignes de placement, évidemment. Salut Romain, salut Bibi, salut Victoria. C'est bien, il y en a qui sont motivés le samedi matin, je suis contente.
Bon, moi, ce matin, c'était la course. Mais du coup, là, ça va être une heure pour se déstresser et se dépenser. Allez, on va y aller. Je vais lancer la musique. Donc, pareil, vous me dites si vous entendez la musique. Voilà, j'attends juste un petit commentaire sur la musique. Salut Monique! J'ai lancé la musique. Dites-moi si ça va pour vous, si c'est pas trop fort. J'ai mis un petit peu plus fort que d'habitude parce que comme il y a un peu la scie sauteuse dehors. Salut Hervé! Est-ce que la musique c'est bon? C'est ok, ok la musique. Allez, ok. Allez, on est parti. Allez, on se place les pieds parallèles, les bras le long du corps. On relâche la tête, menton, poitrine. On souffle bien. Et on inspire, on étire. Et relâche. Étire. Et souffle, inspire, et souffle, étire, dernier, on vient le regard devant, fléchis légèrement les genoux, relâche bien les bras et tu vas venir sur le côté sans trop forcer sur les cervicales. 4, 5, 6, 7, 8, on vient milieu et rotation à droite. Lentement, deux fois, et change de côté pour la gauche, deux fois pareil, et replace le regard devant, on tend les jambes, menton poitrine, et tu vas venir enrouler le dos lentement, garde bien les dents tendues, tu lâches le poids du corps. Fléchis les genoux légèrement et tu fais des petits balancés vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu gardes les genoux fléchis, tu déroules le dos sans crisper les épaules. Et deuxième, menton poitrine, enroule le dos sur jambes tendues. Relâche le poids du dos, fléchis les genoux, balance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déroule le dos. Récupère bien le regard devant. Troisième enroule. On échauffe bien la colonne vertébrale. Et fléchis, relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déroule sur jambes fléchies. Et le dernier, menton poitrine. Enroule ventendu. Et fléchis les genoux, relâche. Lâche bien le poids de tête. 5, 6, 7. 8 et déroule le dos. Tu gardes les genoux fléchis, tu enroules les épaules à l'arrière, serre les omoplates. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 4. Arrière 1, 2, 3, 4 avant. 5, 6, 7 sur 2, arrière, 2 avant, 3, 4 arrière, 5, 6 avant, 7, 8, inspire, étire, attrape le poignet droit, fléchis les genoux, fixe le bassin, étire la taille sur le côté, reviens milieu, pareil à gauche, attrape le poignet gauche, étire, et reviens milieu, arrondis le dos, rentre bien les fesses. Étire le dos, sans forcer sur les épaules. Relâche les bras et déroule le dos. On fléchit les genoux, place les mains sur les cuisses.
et on déroule l'articulation des genoux. Garde bien les deux talons dans le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens au milieu, tu tends les jambes, tu relâches le dos. Tu souffles bien. Et fléchis, déroule. Inspire, étire. Place les bras sur le côté. Pousse le nombril derrière. Petit cercle avec les bras sans bouger le dos. On continue à échauffer les épaules et le dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu bloques. Inspire, souffle. Inspire, les paumes de main se touchent. Souffle rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relâche. Ok, on part sur des petits sauts de pied. Alors, si jamais tu as mal au genou, que tu ne peux pas sauter, tu pars en marche et tu ne t'arrêtes pas, d'accord? Marche dynamique. Allez, les autres, petits sauts. Tu serres les fesses, tu contractes un peu les cuisses, lâche les bras, souffle bien. Bien détendu dans les cuisses. Reste gainé. Inspire et souffle. Tout petit les sauts. Reste bien sur la plante des pieds, les talons décollés. Les bras, tu vas croiser, tirer les coudes en arrière. Tu croises, tu pousses à l'arrière. Et rapide. Inspire et souffle. Allez, on pousse la cadence respiratoire. On gagne bien les fesses, on gagne bien le ventre. Tu fais monter le rythme cardiaque tranquille. Tire bien le coude à l'arrière. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche les bras. Continue de sauter ou de marcher. Inspire et souffle. Allez, j'espère que ça va. Encore. 4, 3, 2, 1. Allez, encore, encore, encore. Ok, tu relâches. Inspire. Et souffle. Arrondis le dos, fléchis les jambes. Et inspire. Et souffle. Inspire. Récupère bien le cardio. Arrondis le dos. Lâche les épaules. Dernier. Relâche. Déroule le dos. Ok, un pied sur l'autre. Toujours sur la plante des pieds. Les talons décollés. Tout petit. Léger dans les sauts. Pour ceux qui sont en train de marcher, pour changer, tu peux aller toucher côté. D'accord? Les autres, un pied sur l'autre. On vient caler les coudes au niveau du buste. Et on imagine une corde à sauter. Allez, tourne au niveau des avant-bras. On essaie de ne pas tourner au niveau du bassin. Tu gardes le bassin fixe. Et tu engages les abdos. Inspire et souffle. Allez, tourne bien. Ça va. Allez. Respire bien. Accélère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lâche les bras. Tu dois avoir les bras qui commencent à chauffer. Ok, repart de pied. On ouvre. Tout petit.
contracte au niveau du périnée, tu aspires tout, tu lâches rien. Sers-toi des séances de pilates, tu aspires le nombril, comme si tu voulais retenir ton pipi, d'accord, en imageant. Allez, rapide, 1, 2, 3, 4, ça va sentir dans les mollets, mène les fesses, 5, 6, 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, tu ne lâches pas, regarde, tu vas super vite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reviens. Pied droit, tout petit, lâche bien les bras, garde les abdos contractés, 6, 7, 8 à gauche, 1, 2, 3, 4, allez c'est bientôt fini, après on prend un coup, dernier, droite, 2, 3, 4, lâche pas les fesses, 5, 6, 7, dernier sur gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et relâche. Inspire. Et souffle. Arrondis le dos, lâche tout l'air. Et inspire. Et relâche et souffle longtemps. Déroule. Dernière fois. Étire. Et relâche. Allez, déroule le dos, buvez un coup, dites-moi si ça va. Super, les copines sont arrivées aussi. Allez, 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 allez. Ah, Valérie, super. Allez, buvez, on y va. Allez, c'est parti, on part en squat. Petit squat, largeur bassin, d'accord? Tu n'ouvres pas les jambes, ça c'est pour après, vraiment tout petit. Tu vas descendre les fesses vers les genoux, poids du corps sur l'arrière, le dos droit. Tu remontes, tu contractes les fesses, mais tu ne verrouilles pas les genoux, ok? Je descends, je souffle, je contracte, les genoux tranquilles. C'est parti. 1, souffle, 2, 3, et bien le poids du corps sur l'arrière pour ne pas fragiliser les genoux. 4, 5, 6, tu souffles en montant. 7, 8, deuxième. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, dernière série, souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attention le dernier tu restes en bas, poids du corps sur l'arrière on reste 8, 7, attention les genoux ne s'écartent pas, ils restent bien parallèles, au-dessus des orteils, et tout petit vers le sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tend les jambes, on relâche le dos, inspire, souffle, fléchis les genoux, déroule le dos, allez, ouverture des jambes, on grandit, on se grandit, on ouvre les jambes, on ouvre les pieds. Attention, tu vas fléchir. Les genoux viennent s'aligner au-dessus des orteils. Pas de fesses en arrière. Tu rentres les fessiers. Attention de ne pas verrouiller le bassin. Tu es tranquille dans ton bassin, mais tu ne lâches pas les fesses à l'arrière. Allez, on inspire, on étire. On vient placer les bras derrière la tête. On garde les coudes en ouverture. On descend et on monte. Sans tendre les jambes. 1, souffle. 2, 3, 4, 5. Attention les fesses, pas vers l'arrière. Garde bien les fesses à l'intérieur.
6, 7, 8. Allez, deuxième. 1, 2, 3. Tu restes bien le poids du corps sur tes talons. 5, 6. Descends bien le bassin vers le sol. 7, 8. Dernière série. Descends, monte. Attention, tu ne tends pas les jambes à fond. 3, 4. Tu souffles en montant. 5, 6, 7. Dernier, tu restes. Ouverture des bras. Sans bouger. 1, 2, 3, 4. Attention, ne triche pas. Tu ne montes pas le bassin. Tu descends. 6, 7, 8. Tout petit vers le sol. 1, 2. Attention, pas de fesses en arrière. On garde les fesses à l'intérieur. Les genoux au-dessus des orteils. 6, 7, 8. Pieds parallèles. Et relâche. Récupère la respiration. Récupère le cardio. Bien détendu sur les fesses. Fléchis. Et remonte. Ça va? Allez, on continue. On ouvre un petit peu plus les jambes. D'accord? Donc tout à l'heure, on était petit squat, légèrement plus large que le bassin. Pieds parallèles. Et on y va. 1, souffle. 2, 3, serre les fesses. 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. 1, 2, 3, 4, allez, 5, place bien le poids du corps, 6, 7 et 8, dernière, souffle, 2, 3, allez, travaille bien avec ta respiration, 5, 6, 7, 8, dernier, tu restes en bas, sans bouger, 1, 2, 3, mets bien le poids sur les talons. 5, 6, 7, 8, tout petit. 1, 2, 3, 4, on tient. 5, 6, 7, 8, tu tends les jambes, tu relâches le dos. Souffle bien. Fléchis les genoux, déroule le dos. On repart, ouverture des jambes. Allez, allez, allez. Attention de ne pas trop ouvrir les pieds pour ne pas avoir les genoux en dedans. Pieds à 45 degrés. Entre les fesses à l'intérieur. On inspire. On place les coudes, les mains derrière la tête. Et on y va. Descends. Monte. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, deuxième, lâche pas, 1, 2, 3, 4, le dos bien droit, 6, ne lâche pas la tête, sinon tu arrondis le dos, dernière série, 1, 2, 3, allez, ça va commencer à chauffer dans les cuisses, 4, 5, 6, 7, 8, on reste. Ouverture des bras, les épaules basses. On inspire, on souffle. On descend les fesses. Allez, je te vois, descends tes fesses. Allez, 4, 3, 2, 1. Tout petit dans le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pieds parallèles et relâche. Inspire et souffle. Resserre les pieds parallèles. Déroule le dos. Allez, on prend un petit coup. Dites-moi si ça va. Ah ouais, t'as l'impression d'être au sec. Moi non.
Allez, buvez un petit coup. Détendez un petit peu les cuisses. Allez, on va attaquer les abdos et la taille, d'accord? On va laisser les jambes un petit peu tranquilles. Vous pourrez revenir après, c'est pas fini. Et parallèle, fléchis les genoux. Regarde, d'abord je te donne la consigne de placement. Pas de fesses en arrière. Tu rentres les fesses, tu étires le dos, les épaules légèrement vers l'avant. Tu vas venir chercher le genou à droite et le genou à gauche. Attention, il ne faut pas descendre les épaules pour aller plus bas. On cherche à étirer, à travailler les obliques et la taille. Ok? Allez, on y va lentement d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6. Attention, tu ne dois pas avoir mal au bas du dos. Ok? Le bas du dos est protégé parce que tu as les genoux légèrement fléchis. Deuxième 8. Souffle. 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. Continue le dernier 8. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7. Attention, rapide. 1, 2, 3, le bassin ne bouge pas. 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reste à droite, tout petit vers le bas. Allez, 1, 2, ça doit tirer sur le côté opposé. 4, 5, si tu sens que tu as mal au dos, ça veut dire que tu n'es pas assez vers l'avant. Donc tu avances encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier 8, 7, attention de ne pas bouger les hanches. 4, 3, 2, à gauche. 1, 2, 3. Allez, on va chercher loin en bas. 4, 5, 6. Toujours gainé au niveau des abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier 8. Souffle. 2, mes deux épaules sont alignées. 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. Inspire, attrape le poignet droit, tire la taille. Milieu, attrape le poignet gauche, tire la taille. Milieu, et relâche. Ok, tu fléchis les genoux, toujours en travail de taille. Tu viens placer les mains au niveau des épaules. Pareil, les fesses à l'intérieur sans bloquer le bassin. Tu vas chercher loin sur le côté et tu reviens. Loin sur le côté et tu reviens. Attention de ne pas travailler devant, sinon tu n'engages pas ta taille. Loin derrière, tu amènes une épaule à l'arrière, une épaule en avant. Tu souffles, tu reviens. Le bassin ne pivote pas. Pareil, trois séries lentes, trois séries rapides, droite et gauche. 5, 6, 7 et lentement. 1, 2, 3. Allez, souffle quand tu tends le bras. 4, 5, 6, 7 et 8. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7, 8. Je dois vraiment chercher le travail de la taille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, deuxième, 1, 2, ne bouge pas le bassin, 5, 6, 7, troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deuxième, souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gauche, 1, 2, 3, 4, tire l'épaule en arrière, 5, 6, 7, deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire et relâche, pied
et on fléchit, on déroule. J'espère que vous tenez, que vous lâchez pas. Pensez à bien souffler, à bien respecter les consignes de placement. Buvez rapide un coup. Allez, on repart sur les squats. Cette fois-ci, on fait les squats sumo, ok? Donc, on élargit les pieds, 45 degrés. On va venir cette fois-ci pousser les fesses en arrière et remonter. Tu serres les fesses, tu ne verrouilles pas les genoux, pareil. Tu descends bien au niveau des genoux et tu montes lentement en poussant sur les cuisses et sur les fessiers. Allez, en place. 5, 6, 7, et 1, souffle, 2, souffle, 3, souffle, 4, les pieds à 45 degrés, 5, pousse, 6, 7, 8, deuxième série, 1, pousse, 2, souffle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, c'est la dernière. 1, souffle, 2, contracte, descends bien les fesses, 3, 4, monte bien avec les cuisses et les fessiers, 5, 6, 7, dernier, tu restes. Sans bouger. Allez, 1, 2, 3, le poids dans les talons. 5, 6, 7, 8. Tu montes un petit peu et tout petit. 1, 2, 3, on tient. 4, 5, on lâche pas. 6, 7, 8. Pieds parallèles et relâche. Lâche bien le dos, lâche bien la tête. Lâche le poids des bras. Lâche ton énergie. On fléchit les genoux, on revient et on déroule le dos. Ça va? Alors, regarde, bois un coup si tu veux. Je t'explique la série suivante. Petite parallèle. Tu descends, tu kicks. Tu descends, tu kicks. Tu descends, tu kicks sur le côté. Tu descends, tu kicks sur le côté. Ça va? Deux devant, droite-gauche. Et deux côtés, droite et gauche. Ce qui m'intéresse, c'est que tu gardes le dos étiré, d'accord? Et que tu contractes la fesse, d'accord? Sur les côtés, sans partir sur le côté et sans mettre de poids sur la jambe d'appui. Pareil, quand tu kicks devant, tu contractes les abdos et tu ne penches pas. Allez, on y va. Lentement, on pense à travailler son équilibre. C'est parti. J'ai mon fils qui me regarde, c'est trop rigolo. Allez, on inspire, souffle, et souffle, côté, inspire, contracte, inspire, contracte, descend, souffle, descend, souffle, descend, côté, reste droit, contracte les abdos, étire-toi, tu reposes les pieds dans le sol, et le pied qui tire devant au côté. Souffle. Descends. Grandis-toi. Descends. Grandis. Encore. Devant. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire côté. Tire. Descends. Tire. Encore. Devant. Inspire. Souffle. Inspire. Côté. Descends. Allez, les derniers. Descends. Tire. Descends. Tire. Dernière fois, côté. Contracte bien les fessiers. Allonge le dos. Dernier. Et relâche. Tends les jambes. Lâche le dos. Fléchis. Et déroule le dos. La suite.
dans les jambes. Ok. Tu vas venir chercher côté. Tu fléchis la jambe de terre et tu pousses tout petit sur le côté. D'accord? Donc, l'important, c'est de verrouiller les abdos, de rester droit pour ne pas mettre tout le poids sur la jambe d'appui et de travailler la fesse. Ok? Et la hanche. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mets les mains sur les hanches si tu veux. Garde l'équilibre. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Tu dois avoir la fesse qui tire. Hein? Allez, à gauche. Fléchis légèrement la jambe de terre. On étire sur le côté. Alors, on trouve d'abord son équilibre. On engage les abdominaux. Et on pousse vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. 1. Allez. 2, 3. Ça doit brûler. 4, 5, 6, 7. Dernière série. Allez. 1. Tu ne t'es pas levé pour rien. 3, 4. Tu tiens jusqu'au bout. 5, 6, 7, 8. Et relâche. Allez, tu détends. Tu étires un peu les quadris si tu veux. Droite et gauche. N'oublie pas de boire. Ça va? Alors, pendant que tu bois et que tu récupères, je te montre la suite. On prend son petit tapis. Alors, position accroupie. Hanches, genoux, les mains légèrement devant les épaules. Ok? Tu vas venir accrocher tes orteils dans le sol. Bien gainé. Tu restes en planche. Ce que je te demande, c'est de ne pas monter trop les fesses et surtout de ne pas creuser le dos. Position. Là, la cambrure naturelle, tu rentres à l'intérieur, tu pousses le nombril dans la colonne et tu rentres les fesses. On est d'accord? Tu ne lâches pas le dos. Interdit. Tu aspires le nombril comme en pilates et tu viens positionner. Ok? Alors, première série, ça fera 3 fois 8, sans bouger. Je pose les genoux, je récupère. Deuxième série, je place, je viens chercher le genou vers la poitrine opposée, vers la main opposée. Attention, j'essaie de garder le dos droit. Si jamais j'ai besoin de monter un peu les fesses, ben, tu peux les monter un peu, mais surtout, tu ne lâches pas le dos. Donc, on fera 2 fois 8 lentement, un temps, un mouvement. Pas plus vite, un temps, un mouvement. Je descends les genoux, je souffle et je récupère. Et la dernière série, je place et je vais venir courir en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 fois. Ok? Si jamais c'est trop compliqué pour la course, soit vous restez en gainage, soit vous continuez sur le lent. Vous adaptez par rapport à vos capacités du jour. Ça va? Mais surtout, on ne se fait pas mal au bas du dos. On reste toujours bien placé. Soyez bienveillants avec vous, s'il vous plaît. Allez, on y va. On vient placer les mains juste devant les épaules. Genou hanche. On accroche les orteils. Et on y va, c'est parti. On regarde loin devant dans la diagonale. On essaie de garder la tête dans l'axe du dos. On ne lâche pas la tête. On garde les épaules mobilisées. Et on souffle bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième. 1, 2, 3. Allez, on ne lâche pas. 4, 5, 6, 7. Dernière série, 8, 7. 6, 7, attention de ne pas lâcher le dos, tu pousses tout le temps le nombril vers le plafond. 4, 3,
tapis, de côté. Hop, ok. Allez, deuxième série. Les genoux vers la main opposée. On accroche les orteils. On inspire, on place, on suit le rythme. 1, pause. 2, pause. 3, souffle. 4, souffle. Les pieds sont légèrement écartés derrière. 6, 7, 8, dernière série. 1, souffle. 2, mon dos ne se déforme pas. Si tu as besoin, tu montes un peu les fesses. Mais pas trop. 5, 6, 7, 8, genoux et relâche. Attention quand vous lâchez, parce que je vous connais quand même, ne pas lâcher le poids du dos, d'accord, et lâcher les fesses. D'abord, vous posez les genoux pour protéger le bas du dos et ensuite, vous relâchez. Allez, tu récupères bien ton cardio. La dernière série, on court sur place, les genoux en opposition avec les mains, un temps, un mouvement. Donc, c'est une vraie course pour ceux qui peuvent, d'accord? Allez, c'est parti, 3 fois 8. On place, orteil, on inspire, d'abord on place, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, troisième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et relâche. Souffle bien. Allez, je récupère le cardio. Pour un coup. J'espère que tout le monde va bien. Il n'y a pas de commentaires, mais c'est bien. Ça veut dire que vous pratiquez. On va continuer sur les abdos au sol. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je transpire. J'espère que vous aussi. Allez, on y va. Ok. Allez, on s'allonge dans le sol. On fait en même temps que moi. Je te donne des consignes au fur et à mesure. On place les pieds dans le sol. On entre bien les talons dans le sol. On inspire, on souffle, on décolle les omoplates. Donc vous pensez à pousser le nombril dans la colonne vertébrale. Au plus vous allez pousser et ancrer le nombril, au plus vous allez pouvoir décoller les omoplates. Attention, on ne tire pas sur les épaules. Non, non, non. Les épaules sont relâchées, mais on verrouille bien la ceinture abdominale. On va venir chercher le genou opposé, lentement. Attention, dans cet exercice, il ne faut pas que les jambes bougent, ok? Les jambes sont fixées, les talons sont ancrés dans le sol, et quand je vais chercher l'extérieur de mon genou opposé, je transfère le poids du corps sans poser les épaules dans le sol. Donc je reste en haut et je transfère lentement, ok? On fait 2 fois 8 lent, 2 fois 8 rapide. C'est parti. Pieds dans le sol, on inspire, on souffle, on pousse, on dégage les épaules et on y va lentement. 1, 2. Alors, la série est lente, mais c'est pour que tu ailles chercher loin devant ton genou si tu peux. 4, 5. À chaque fois que tu touches, tu souffles. 6, 7, 8. Deuxième série. On ne descend pas les épaules, on reste en haut. 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, tu ne lâches pas la tête arrière, 8, attention, on revient milieu, rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, milieu, relâche. Je remets la musique et on repart pour une série. Allez, pieds dans le sol.
C'est-à-dire qu'on me voit, moi je me vois, comme l'ordi est en hauteur. Dites-moi s'il y a un problème de vision. Allez, deuxième série, on inspire, on souffle, on décolle les omoplates, on pousse le nombril dans le sol, on fixe les jambes, talons dans le sol, c'est parti. 1, 2, 3, va chercher loin, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attention, milieu rapide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n'hésitez pas à décoller les orteils, à pousser les talons dans le sol, 4, 5, 6, 7, 8, milieu et relâche. Viens attraper les genoux, détends. Allez, on continue sur les abdos, dans le sol, pareil, même position, on inspire, on souffle, on pousse le nombril dans le sol, on vient placer les mains sur les cuisses et lentement, on monte, deux, deux tu montes, essaie de visualiser ton nombril, hop, qui vient se plaquer dans le sol. Au lieu de visualiser les épaules qui montent, tu fais l'inverse. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, deuxième série. Toujours le regard dans la diagonale. On ne lâche pas la tête pour ne pas avoir mal devant. 6, 7, 8. On bloque. Allez, on verrouille tout. Les épaules détendues. 4, 3, 2. Attention. On fait version rapide. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâche. Normalement, ça doit brûler quand même un petit peu. Tu souffles bien. Et on repart pour la deuxième série. Pense aux consignes, les talons ancrés dans le sol. Tu soulèves un peu les orteils. Tu ne bouges pas les jambes. Tu gardes les omoplates décollées et le regard devant. Allez, on y va. On inspire, on souffle et on monte. Mains sur les cuisses, tout petit. 1, 2, 3, 4. 5, ne tire pas sur les épaules. 6, 7, 8, deuxième. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reste, je verrouille. 4, 3, 2, 1. Attention rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, allez, continue, ça brûle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et relâche. Allez, si tu as fait toute la série, c'est super, tu souffles bien, tu protèges bien le bas du dos, pensez à boire. Un petit coucou à Thierry qui m'envoie un message. Salut Thierry. Allez, on vient se placer sur les avant-bras. On décolle les talons du sol. On vient étirer la jambe vers le sol. Et ramener. Tu étires et tu ramènes. On fait 2 fois 8, très lent, en pensant à bien tendre la jambe, d'accord? 2 fois 8, très rapide, sans passer par le pédalo. Tu tires la jambe. Allez, on y va.
On protège bien le bas du dos, on enroule, on pousse le nombril dans la colonne vertébrale, les épaules sont relâchées et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième. Attention, si c'est trop compliqué, tu travailles dans la diagonale, d'accord? Tu ne te fais pas mal au dos, tu fais ce que tu peux, mais tu essaies d'aller jusqu'au bout et de te surpasser. Demain, c'est dimanche, au repos. 4, 5, 6, 7, attention rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâche vers l'avant. Alors, s'il y en a pour qui c'est trop compliqué, j'insiste. Au lieu de faire rapide et de te faire mal au dos, soit tu restes sur le lent, mais surtout, tu montes les jambes dans la diagonale. D'accord? Pour bien protéger ton dos, mais travailler quand même tes abdominaux. Ne faites pas n'importe quoi derrière les écrans. On ne vous voit pas. Donc, je compte sur vous. Suivez bien les bons signes de placement, c'est important. Deuxième série, la même. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième, souffle bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, attention rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâche vers l'avant. Relâche bien tout le poids du dos, tout le poids de la tête. Vérifie l'heure parce que ça passe tellement vite. Allonge-toi dans le sol. Attrape les genoux. Allez, récupère bien. Ok. On va venir monter la jambe droite, la jambe gauche. On passe sur les adducteurs. Les pieds se touchent. Tu vas venir ouvrir et fermer les genoux le plus vite possible. D'accord? Attention de ne pas descendre les pieds. Tu gardes les pieds en hauteur. On part sur 6 fois 8. C'est parti. 5, 6, 7. Attention de bien plaquer le bas du dos. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relâche. Allez, c'est bien. On lâche pas. On se fait du bien, on élimine les toxines, on élimine le stress si on a les tensions. Allez, deuxième série. Les pieds au-dessus des genoux. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et relâche. Tu vas le sentir à l'intérieur des cuisses et sur les cuisses également. Ok, en même temps que moi, tu montes les pieds. Alors, surtout dans cet exercice, tu gardes bien le bas du dos dans le sol. Tu laisses partir les jambes sur le côté. Tu gardes les genoux fléchis.
Tu inspires. Tu montes et tu décolles la tête. Tu pousses le nombril dans le sol. Et on y va tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1. Travaille tes abdominaux et tes adducteurs. 3, 4, 5, 6, 7. Dernière série. 1, 2, lâche pas le dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tient. Allez, on respire. Les genoux sont fléchis. Les pieds sont ouverts. Si vous êtes ici, c'est pas grave. Hein, on fait ce qu'on peut. Encore 4, 3, 2, 1, dépose le dos, talons fesses et on monte les pieds, relâche. Alors, souffle bien. Ça va? Allez, petite série de fessiers, il nous reste 5 minutes. On tient psychologiquement, même si ça brûle un petit peu. On fléchit les deux genoux. On vient placer la tête dans la main. On étire le ventre, d'accord? Ne soyez pas avachis. On étire le dos, on étire le ventre. On va venir ouvrir le genou, d'accord? Vers le plafond. Je te donne les consignes à chaque fois. Je ne fais pas un récapitulatif au départ. On y va. 1. Resserre. Contracte. Resserre. Serre. Relâche. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Encore. 1. Maîtrise bien la descente. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, tu restes en haut. Tu pousses le talon bas vers le plafond et talon fesses. 1, 2, si tu es ici, c'est pas grave, d'accord? Tu fais en fonction de ta capacité à ouvrir la hanche. 5, 6, 7, 8, deuxième, souffle. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Je garde la jambe tendue et cette fois-ci, je descends la jambe parallèle au sol. Je fléchis bien la jambe de terre pour protéger le bas du dos et vraiment, j'essaie de travailler jambe tendue. On résiste avec la hanche, on oriente les orteils vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et cercle vers l'avant, on fait des grands cercles. Si on peut, on pense à monter, à descendre et à aller sur le côté pour travailler vraiment toute la fesse. Allez, 4, 5, 6, n'oublie pas d'inspirer et de souffler. Dernière rotation, on change de sens. 1, 2, inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. 6, 7, 8. Je reste. Talons, fesses. Et rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième. Souffle. 2, 3, 4. Allez. 5, 6, 7. Je reste. Je pousse le pied vers le visage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je remets les jambes parallèles et je pousse vers le haut. 1, 2, 3, 4. Allez, on lâche pas, c'est la dernière. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, tu sens que ça tire dans la fesse et dans l'ischio vers le haut. Et que ça travaille, que tu es bien placé. Et relâche. Massage la fesse. À
Allez, tu viens rouler sur la fesse qui a travaillé. Tu détends. Tu souffles. Tu décompresses. Allez, j'espère que vous faites bien toutes les séries jusqu'au bout. On passe à gauche. On s'installe. Fléchis les genoux vers la poitrine. Arrondis le bas du dos. On étire le dos. On gagne les abdominaux. Et on y va. Genoux vers le plafond. Et on maîtrise la descente. 1, 2. Attention de ne pas aller mettre l'épaule vers l'arrière. Tu gardes bien les épaules alignées. Et la main au sol. Équilibré. 5, 6, 7, 8. Deuxième. Contracte bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste, on développe le pied vers le plafond et on y va, talons, fesses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu penses à souffler quand tu tends, 8, deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je descends la jambe parallèle. Je reste. Oriente les orteils vers le sol. Tu résistes avec la hanche. Encore 8, 7, 6, 5. Ne t'abâchis pas. Garde le dos et le ventre étiré. Cercle vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, dernier, change de sens, 1, 2, allez, 3, inspire, souffle à la descente, 4, 5, 6, mon dos ne bouge pas, hein, c'est vraiment que le fessier, dernière rotation, et je reste, attention, talons fesses, 1, 2, rapide, 3, 4, 5, 6, on essaie d'avancer le pied vers le visage, 8, 1, 2, 3, 4, 5, allez, ça brûle dans le haut de la fesse, reste, tout petit vers le visage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'aligne la jambe, je résiste, ça fait mal et je pousse. 1, 2, 3 vers le haut, 4, 5, 6, c'est le dernier exercice. 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Allez, tu viens masser la fesse et tu roules dessus. J'espère que ça tire bien, que ça vous fait du bien surtout. Alors, je vais changer, je vais mettre une petite musique douce. On va s'étirer 5 minutes pour bien récupérer les fessiers, les cuisses. Alors. C'est ce son, hop. Ça va? Allez, on y va. On s'étire tranquillement 5 minutes. Allez, on vient se placer en tailleur. On place les bras au niveau des genoux et on relâche le dos. Souffle bien. Et inspire, étire. Et souffle. Essaie de vider tout l'air que tu as dans les poumons, de relâcher la tête, le dos, les épaules. Inspire. Et souffle. On replace le dos et on étire. On vient frapper les coudes et on tire les coudes vers l'arrière.
On oppose les fesses dans le sol et l'étirement du dos. On serre les omoplates à l'arrière. On récupère bien sa respiration. On monte les bras et on relâche. On place les mains dans le sol. On vient étirer les deux jambes devant. On place les mains de chaque côté des genoux. On fléchit les coudes et on relâche le dos. Alors, ne forcez pas, d'accord, ça ne sert à rien. Juste vous laissez faire le poids du corps. Et vous inspirez et vous soufflez tranquillement. On étire bien les mollets, les ischios. On a beaucoup travaillé dans les séries de squat. Allez, relâche bien le poids de tête. On va venir fléchir les genoux. Attraper le dessous des pieds. Mes genoux sont fléchis, ok? Je tire les orteils vers moi. Je descends les épaules et je cherche à étirer le dos. Alors, on fléchit les genoux, mais pas trop haut. Donc, en fait, on essaie de tendre au maximum. Mais attention, on garde le dos droit. Donc, on ne fait pas ça. On tire par le bas du dos. Et on allonge la nuque dans le prolongement du dos. On fléchit les coudes, les épaules sont basses. Et on arrondit, on relâche. On tend les jambes. Si on n'arrive pas à attraper ses pieds, c'est pas grave. Deuxième fois, on fléchit les genoux, on fléchit les coudes, on tire le dos. On essaie de ramener les coudes vers le sol. On inspire et on souffle. Attention de ne pas crisper les épaules. Les épaules sont basses, le dos est étiré. Et on relâche. Sur les cuisses, on déroule le dos. Ramène la jambe droite. Attrape le genou avec le coude opposé. Tire l'épaule en arrière et viens étirer dans la cuisse. On souffle bien. Allez, on relâche. Pareil à gauche. Pied gauche, le genou opposé au coude et on étire. Et on relâche. On passe à quatre pattes. On avance les mains. On vient étirer dans le dos. Les fesses se déposent dans le sol. On revient à quatre pattes. Et les bras se tendent. Et on vient pousser le bassin dans le sol. Pour étirer toute la ceinture abdominale. On essaie de rapprocher le bassin du sol. On met de la pression dans les mains. Et on fléchit les genoux, on arrondit le dos, on garde la pression des mains dans le sol. Et cette fois-ci, on garde les fesses vers le haut et on vient étirer le dos. On vient placer la tête entre les bras. Et on relâche. On ramène les mains, on accroche les orteils derrière, on repousse le sol. Et on vient se placer sur les talons. On relâche le poids du dos. On vient attraper les coudes. On relâche le poids de la tête entre les bras. Et on fait des petits balancés à droite à gauche. On lâche les mains. On fléchit les genoux. On dépose les mains au sol. On garde les fesses vers le haut pour étirer les ischios à l'arrière. On essaie de ramener la tête entre les jambes le plus possible. On inspire et on souffle en tendant les jambes. Si on a les mains qui remontent, c'est pas grave. On reste avec le poids du corps vers le sol. Deuxième, fléchis les genoux, garde les fesses vers le plafond.
Tête entre les genoux, on étire, on inspire. Et souffle, étire. Et dernier, flexion. Et souffle. Lâche les bras. Fléchis les genoux. Déroule vertèbre après vertèbre, tranquillement. Chacun son rythme. Les cervicales en dernier. Et inspire, étire. Et lâche tout le poids, fléchis les jambes. Étire. Et souffle. Et relâche. Paume de main face à face. Et pression des mains vers le sternum. Et inspire, étire. Et pression des mains vers le sternum. Deux derniers. On reste bien connecté au niveau des pieds. Souffle. Dernière fois. Et souffle. Et relâche. Voilà, la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai essayé de faire une séance un petit peu complète, d'accord ? Essayer de faire travailler un peu tous les muscles du corps. Mais évidemment, en une heure, c'est un peu court. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. En tout cas, moi, je me suis bien défoulée. Ça m'a fait du bien. J'espère vraiment que vous aussi. Et puis voilà, ça fait plaisir de vous voir à chaque fois dans les cours, avec moi, avec les autres. De vous voir aussi enthousiaste par rapport à ce qu'on propose. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je fais des gros bisous à tout le monde. Et un de plus pour Bali à Maubeuge. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous.